Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre une phrase à la tournure explicative Noda qui permet de donner une explication. C'est un cours qui va être assez léger, mais dans lequel on va voir des notions très importantes pour la suite. Un cours qui a quelques similitudes avec le précédent, les particules de fin de phrase, et qui va également être lié à la pose d'une question en japonais. Enfin bref, tout est lié, c'est très important de le voir maintenant. Alors en japonais, comment mettons une phrase à la tournure explicative Tout simplement, il nous suffit de mettre no plus da à la fin de la phrase, après le verbe. Alors attention, on ne peut pas avoir de particules de fin de phrase entre le verbe et la, et le, la, la tournure no da. C'est juste après le verbe. Directement après le verbe, on met no plus da. Et ça permet donc de donner une explication à l'interlocuteur. Alors, bien entendu, ça nécessite un contexte qui appelle à explication, mais on va donner des exemples et puis vous allez voir à peu près ce à quoi ça correspond. Alors, je reprends les mêmes phrases que l'on a vues dans le cours précédent. On sait déjà dire mitzuhawa ni wa ni Mitsuha est dans le jardin. Si je veux mettre cette phrase à la tournure explicative, donc vous avez compris, je mets no da après le verbe, ce qui nous donne Mitsuha wa niwa no da. En français, on va dire c'est que Mitsuha est dans le jardin. Hein, voilà, ce c'est que qui permet de tourner la phrase à la tournure explicative. Hein. Par exemple, quand on se fait engueuler et qu'on nous dit ⁇ Mais pourquoi t'as fait ça ?⁇ on va répondre ⁇ Oui, mais c'est qu'en fait, blablabla. Donc vous voyez, hein, ce c'est que qui permet d'introduire en français une explication. C'est comme ça que, littéralement, on va le traduire pour que vous voyez bien la correspondance entre le japonais et le français. Et du coup, voilà, ma phrase a été mise à la tournure explicative. Alors la différence entre les deux, c'est que la première phrase donne simplement une information, la seconde donne une explication. Donc on donne l'explication quand le contexte nécessite une explication. Imaginons, on entend un chien qui aboie et on dit, mais attendez, mais pourquoi est-ce que le chien aboie Ah mais c'est que Mitsuhai dans le jardin. Voilà, c'est la raison pour laquelle le chien aboie. On explique pourquoi le chien aboie. Vous comprenez ce à quoi ça sert. Ah, attention, on va avoir un cas particulier quand la phrase de base que l'on met à la tournure explicative se termine déjà par da. Par exemple, taki wa baka da. Taki est un idiot. Si je veux mettre ça à la tournure explicative, bon, vous avez compris, je mets no da après mon verbe. C'est que taki est un idiot. Mais ici, lorsque l'on a une phrase qui initialement se termine par da, le da devient na devant no da. Donc ici, taki wa baka na no da". Et ça, ça va être systématique lorsque l'on aura un da devant une tournure en no. Plus tard, on aura d'autres tournures qui se créeront avec la particule no. Et bien à chaque fois, le da devant deviendra un a. Donc garde-le bien en tête. Donc voilà, vous savez mettre votre phrase à la tournure explicative no da. Donc une fois que c'est fait, ça vous donne une nouvelle phrase. Le da qui est après le no, c'est le nouveau verbe qui est à la fin de votre phrase. Ce qui veut dire que après ce da, vous pouvez mettre par exemple une particule de fin de phrase. Vous pouvez terminer votre phrase en blablabla no da yo, blablabla no dané. Et du coup, puisqu'on peut mettre n'importe quelle particule de fin de phrase après le da, on peut également mettre un ka pour mettre notre phrase qui a la tonique explicative à la forme interrogative. Regardez. On se base sur toujours la même phrase, Mitsuhawa Niwa Niiru. Mitsuha est dans le jardin. Ça, on sait déjà le mettre à la forme interrogative. Mitsuhawa Niwa Niiru Ka. Mitsuha est-elle dans le jardin Eh bah, bien, si cette fois je me base sur la phrase à la tournure explicative, Mitsuhawa Niwa Niiru no Da, c'est que Mitsuha est dans le jardin. Si je veux la mettre à la forme interrogative, j'utilise la particule de fin de phrase Ka, qui, vous vous souvenez, remplace le Da. Et ça nous donne Mitsuhawa niwa niiru no ka. Et en français, c'est que Mitsuha est dans le jardin, à la forme interrogative, est-ce que Mitsuha est dans le jardin Voilà, on tombe sur une formulation que l'on utilise également beaucoup en français. Du coup, quelle est la différence entre Mitsuhawa niwa niiru ka et Mitsuhawa niwa niiru no ka La première question permet simplement de demander une information, la seconde permet de demander une explication. Et donc, quand on demande une explication, la réponse est également à la tournure explicative. On donne une explication, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure en début de cours. Comme on l'a vu dans le cours sur les particules de fin de phrase, on peut enlever le K quand on pose une question. Hein, vous vous souvenez, ça nous donnait ici, Mitsuhawa Niwa Niuru. Eh bien, on peut faire la même chose lorsque l'on est à la tournure explicative. Mitsuhawa Niwa Niuru No. Vous vous souvenez, en montant bien l'intonation en fin de phrase, avec le point d'interrogation à l'écrit pour signifier que c'est bien une question. Et du coup voilà, on a quatre manières différentes pour poser une question en japonais. Alors pour l'instant, on est uniquement sur la forme neutre, on verra plus tard comment ça se passe pour la forme polie. Je vous mets la même chose dans le cas d'une phrase qui se termine par da. Takiwa baka da, qui à la forme interrogative Takiwa baka ka et sans le ka Takiwa baka. Et donc si on se base sur la tournure explicative Takiwa baka nano da, Takiwa baka nano ka et Takiwa baka nano. En montant bien l'intonation en fin de phrase. Maintenant que l'on a vu tout ça, que l'on a vu à peu près tous ces cas possibles et imaginables, je vais vous donner quatre précisions d'utilisation qui ont leur importance. Par extension, Noda ne permet pas seulement de donner une explication, mais également de souligner un propos ou une question, de l'accentuer, de rendre le propos plus important qu'une phrase normale. Par exemple, Mitsuhawa niwa ni noda no ne va pas seulement servir à donner une explication, mais également à souligner l'information que l'on donne. Mitsuhawa niwa ni no ka et Mitsuhawa niwa ni no ne vont pas seulement servir à demander une explication, mais également à souligner l'information que l'on demande. Et de ce fait, la tournure explicative NODA, c'est quelque chose qui va être très souvent utilisé, que ce soit pour donner et demander une explication ou simplement pour donner et demander une information en la rendant plus importante. Et notamment le NO point d'interrogation qui va être très utilisé pour poser une question, ce qui permet une bonne alternative au cas mis simplement après un verbe à la forme neutre qui, comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, ne se fait pas trop car un peu trop brutal. D'ailleurs, en français, c'est pareil. La tournure est-ce que ne permet pas seulement de demander une explication, mais également de poser une question de manière plus douce, plus délicate, que simplement en renversant le sujet et le verbe en début de phrase. Ensuite, sachez qu'une phrase à la forme interrogative et une phrase à la tournure explicative elle-même à la forme interrogative permettent également d'exprimer la découverte, la compréhension d'un nouveau fait en baissant l'intonation avec le cas en fin de phrase. Par exemple, ici, Mitsuhawa Niwa ka. Ah, d'accord, Mitsuha est dans le jardin. Je comprends, je découvre cette nouvelle information. Ou ici, Takiwa Baka hum, D'accord, c'est que Taki est un idiot. Hum, je découvre cette nouvelle information. Donc voilà, quand on a un cas et que l'on baisse bien l'intonation en fin de phrase, hein, vous vous souvenez, lorsque on a une question qui se termine par un cas, on monte légèrement l'intonation, bah, là, on la baisse très clairement. Ça n'est plus une question, ça indique que... On se fait une remarque et puis que voilà, on, on découvre une nouvelle chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette formulation C'est un peu comme si on se posait une question pour demander confirmation, mais en l'affirmant à moitié, parce que on vient de découvrir le, la chose en fait. C'est à moitié une surprise, à moitié une confirmation. Enfin bref, voilà, on se dit, ah oui, c'est donc ça, effectivement, etc. Et donc voilà, ça c'est une utilisation des phrases avec le cas en fin de phrase. Donc ça ne peut pas être utilisé ici, ici, ici et ici, puisque déjà on n'a pas de cas et puis ensuite, là on monte l'intonation en fin de phrase, alors que... Pour cette utilisation précise, on a besoin de descendre, de baisser l'intonation en fin de phrase. Troisièmement, sachez qu'à l'oral, il est possible d'abréger le NO en N. Par exemple, Mitsuhawa niwa runoda, Mitsuhawa niwa niirunda. Voilà, c'est une abréviation orale que l'on fait. Le no va se prononcer simplement n, ça permet de... Dire la phrase un peu plus rapidement, c'est quelque chose de très clairement oral, mais que voilà, on écrit comme cela à l'écrit. Ça marche aussi ici. Takiwa baka nanoda devient Takiwa baka nanda. Ça, c'est quelque chose que vous allez très certainement croiser en japonais, donc ayez-le à l'esprit. On peut éventuellement le faire aussi lorsqu'on a des phrases à la forme interrogative. Mitsuhawa niwa ni deviendrait Mitsuhawa niwa ni runka", et Takiwa baka nanoka deviendrait Takiwa baka nanka ». Ça marche, mais c'est beaucoup moins utilisé et ça fait un peu dialecte d'Osaka. Vous savez, c'est cette langue qui est un peu différente de la langue de Tokyo et que l'on parle dans l'ouest du Japon, un peu comme notre shti à nous, hein, très clairement. Donc voilà, sur une forme interrogative, ça se fait pas trop, mais sur une forme déclarative, ça se fait beaucoup. Pour finir, maintenant que l'on sait qu'en japonais, il y a des manières de parler qui sont plutôt masculines et d'autres qui sont plutôt féminines, Sachez que les femmes enlèvent souvent le da lorsque l'on a un da en fin de phrase. Ça fait mignon, ça fait un peu enfantin. D'ailleurs en japonais, euh, féminin et enfantin sont des choses qui sont très souvent liées parce que pour plaire, pour faire mignon, euh, les femmes aiment beaucoup euh, bah, se rapprocher du comportement d'un enfant. Donc voilà, ça c'est aussi bien féminin qu'enfantin. Donc on enlève le da en fin de phrase. Alors ça marche aussi bien sur une phrase normale, par exemple, takiwa bakada qui devient simplement takiwa baka. Ou sur une phrase à la tournure explicative, Takiwabaka nanoda qui devient simplement Takiwabaka nano, mitsuha waniwan ni iru no da", qui devient simplement mitsuha ni ni no". C'est quelque chose qui est utilisé souvent pour s'exclamer, hein mitsuha waniwan ni no On peut même mettre une partie de la fin de phrase après le no, mitsuha waniwan ni no yo. Voilà, on s'exclame et ça fait mignon, ça fait enfantin et. Et du coup, voilà, si jamais un jour vous voyez une phrase sans DA là où on devrait normalement en avoir un, c'est normal, ne venez pas me faire un procès. Donc voilà, c'est bien important de comprendre toutes ces petites exploitations différentes que l'on a de la tournure explicative NODA. En général, les gens nous disent que NO, c'est une particule de fin de phrase, que ce soit ici une particule de question ou ici une particule d'exclamation. Alors que non, en fait, ce n'est pas une particule de fin de phrase c'est la tournure explicative Noda qui a été exploitée, qui a été approfondie, qu'on a utilisée différemment. Donc voilà, no, la particule NO va servir à énormément de choses en japonais. On... Vous n'êtes pas prêts, il va y avoir encore plein d'utilisations. Donc c'est important de comprendre ce qui est quoi, ce qui correspond à quoi, afin de ne pas s'emmêler les pinceaux par la suite. Dans le cours précédent, j'ai mentionné la pose d'une question au négatif. On verra, lorsque l'on verra en détail le négatif des verbes donc dans la saison 3, comment le négatif s'applique à la tournure explicative Noda. Il y a pas mal de petites choses à dire là-dessus. Et puis, lorsque l'on abordera les différents impératifs en japonais, on verra également que Noda peut permettre de donner un ordre. Mais bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas ici. Allez, ceci étant fait, je vous donne vos exercices. Comme d'habitude du thème et de la version, je vous donne des phrases à mettre à la tournure explicative, donc ça c'est très facile, hein. il suffit simplement de mettre da » après et puis de faire attention quand la phrase initiale se termine déjà par da, bien hein. transformer en da. Et j'en profite pour vous donner des phrases un peu plus longues que celles que l'on a vues aujourd'hui, avec tout ce que l'on a abordé dans les cours précédents, toutes les particules, des adverbes, tout ça, comme ça vous allez pouvoir vous faire plaisir. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes ces actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain.